Salut à toutes et à tous, c'est Shinzel et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de ce guide de leveling consacré à World of Warcraft. Dans cet épisode, on abordera donc la montée entre le niveau 20 et 30. Pour ce faire, nous allons utiliser la recherche de donjons, non pas pour faire une recherche aléatoire de tous les donjons, mais bien une recherche spécifique. Donc on va s'inscrire de manière spécifique dans un donjon. Donc pour pouvoir ouvrir votre interface de recherche de donjons, vu que mon interface est un peu modifiée, vous appuyez sur la touche I. Sinon, dans la barre de raccourci, vous pourrez trouver facilement. Le donjon qu'on va choisir, c'est Stormwind Stockade. En français, c'est la prison d'Hurlevent. Et bien choisir uniquement ce donjon-là. Donc on est parti. Bien évidemment, sur le laps de temps où l'on va attendre que le donjon proc, comptez entre 5 à 15 minutes. Tout dépend vraiment de votre rôle, de l'heure à laquelle vous faites cette astuce, et la classe que vous jouez. Tout simplement. Si vous jouez heal ou tank, ça ira un petit peu plus vite. Si vous jouez de nuit sur un serveur peu peuplé, ça sera un peu plus long. On va profiter de retourner au dernier endroit où on était, c'est-à-dire devant le donjon d'Ombrecro, pour la bonne et simple raison qu'il existe toujours les deux rares qu'on avait farmés la dernière fois, que l'on va pouvoir faire, et ainsi que de pouvoir clean la première partie du donjon, toujours en solo. Au niveau 20, ces monstres rapportent encore de l'XP, et vu que vous avez très certainement, comme moi, profité du double XP, ce sera à tout bénéfice, vu que ce n'est que du kill de monstre. C'est de l'expérience qui est fournie et donnée en plus. Donc pour ça, rien de plus facile. Une fois les deux rares tués, s'ils sont là bien évidemment, on va pouvoir enchaîner par le donjon. Donc voilà, on se retrouve dans le donjon d'Ombrecro. J'ai volontairement accéléré la séquence, c'est juste pour vous montrer. Puisque dans la dernière vidéo, on m'avait demandé de justement montrer le chemin exact. Donc comme ça, vous allez pouvoir le voir. Rien de bien compliqué dans ce donjon. Vous avancez simplement en enchaînant les mobs. Faites juste bien attention puisque ça fait quand même un tout petit peu mal. N'en prenez pas trop à la fois. Vous allez voir, ma vie fait un petit peu le yo-yo. Une fois que vous avez complètement clean cette zone, que vous avez clean jusqu'au boss, ne faites surtout pas le boss. Voilà, vous enchaînez tout simplement. Vous ressortez, vous faites un reset. Donc là on se retrouve dans Stockade, donc Stockade, la prison d'Hurlevent, donc le donjon à proc. Ici, ben, vraiment rien de compliqué, puisque la quantité d'expérience qui va être fournie par les trois boss plus les mobs, donc demandez à votre groupe de ne pas faire toutes les cellules, puisque sinon vous allez perdre vraiment beaucoup de temps à les faire. Ça, c'est beaucoup plus rentable de rush le donjon pour les trois boss que de vouloir absolument tout clean, et puis en plus ça vous évite de mourir. Alors l'autre astuce bien évidemment pendant ce donjon, elle est simple, c'est que la première fois c'est un peu dur de faire proc le donjon, n'hésitez pas à demander soit à vos amis de venir avec vous en ayant des groupes équilibrés, donc inutile d'y aller à 3 DPS, voilà, s'il y en a un qui peut sacrifier, jouer soigneur ou tank, ça se fait vraiment très facilement, donc je vous conseille d'avoir un groupe homogène. Si vous n'avez pas de groupe comme moi, bah vous demandez à la fin du donjon gentiment qui veut relancer le donjon, et très souvent vous allez trouver du monde, donc vous allez pouvoir enchaîner 3, 4, 5, 6 fois d'affilée, mais vraiment ça va vous rapporter beaucoup d'expérience, comme vous pouvez le voir là dans la vidéo. Et voilà, on arrive déjà à la fin de ce guide, j'espère que vous aurez apprécié le nouveau format de ces guides. En attendant, je vous dis à la prochaine pour le quatrième épisode de ce leveling consacré à World of Warcraft. D'ici là, prenez soin de vous, n'oubliez pas d'aimer ou de disliker la vidéo et surtout de la partager. À la prochaine, salut !